Donc nous sommes à Saint-Tropez avec Georges Corel, le directeur des courses des voiles. Georges Corel, pouvez-vous nous raconter votre activité de directeur des courses ? Elle est très facile. Pendant les voiles, je ne fais presque rien. En fait, le travail consiste à coordonner les trois comités de course, Wally, Tradition et Moderne, et à préparer tout au long de l'année cet événement. Après, normalement, à part le briefing du matin qui se fait ici chez Rolex, après, chacun est responsable de son morceau et tout se passe bien en général. En fait, on a fait attention, on doit séparer les trois catégories, moderne, tradition, Wally. Et cette année, on a refait des ronds classiques, comme ça existe, mais très au large. Alors, mouille des bouées entre 300 et 600 mètres de fond. Les bouées sont en place, tous les matins on les retrouve. On a mouillé au large du golfe Saint-Tropez dans 50 mètres qui disparaît toutes les nuits. Alors, je pense qu'on a un fantôme la nuit qui nous arrache la bouée. Mais toutes les nuits. Merci Georges Corel.